Nós vamos dar então início à última conferência, à última noite de debates, com a presença do professor Dr. Sébastien Charles, da Université du Québec, à Trois-Rivières. Inicialmente, eu gostaria de dizer muito obrigado, né, pelo aceite de vir trabalhar aqui conosco, discutir nessa noite. Gostaria também de lembrar que o professor Sébastien, ele já na terça-feira, ele participou de uma banca como avaliador, arguidor, mas ele também foi co-orientador do nosso, agora, ex-aluno, né, o Eduardo Tergolina, que se encontra aqui na frente. Pediria uma salva de palmas. É o doutor mais novo da casa, né, da área da filosofia. Eu sei que muitos de vocês estão aqui também fazendo seus estudos de pesquisa e todos um dia vão chegar na mesma posição do Eduardo. É isso mesmo. Bom, então, o professor Sebastian, ele, pela terceira vez, ele está aqui na Unicinos. Para nós é uma grande alegria saber que temos uma parceria já há muitos anos, né? Uma parceria que também é institucional, através da cotutela de orientações e de formação dos pesquisadores, tanto lá como aqui, né? Essa defesa que aconteceu foi a primeira nesse regime de cotutela e deu tudo certo, nós estamos muito contentes, né? Bom, eu passo então a apresentação do professor Sebastian. Ele atua num cargo de gestão na Universidade de Quebec, a Trois-Rivières. Ele é o vice-reitor e trabalha também como vice-reitor de la recherche e do développement, é um setor muito importante justamente na área da pesquisa, né? Professor Sebastian, do ponto de vista filosófico, nas suas pesquisas, ele trabalha com a filosofia moderna e contemporânea, e as suas últimas publicações, ele tem um livro publicado com Gilles Lipovetsky, Os Tempos Hipermodernos, né? Essa é uma obra com francês muito importante da atualidade. Uma outra obra recém também publicada, A Hipermodernidade Explicada às Crianças, né? E é autor também de vários artigos, por exemplo, a favor e contra o ceticismo, teorias e práticas da antiguidade no período do iluminismo. Um outro livro, Hume e a Religião, um outro texto, um outro livro, Ceticismo e Iluminismo, Iluminismo, melhor, isso. Bom, e temos uma lista enorme aqui para comentar e apresentar, mas eu não vou continuar. E vou passar, então, a palavra logo de imediato a ele. E, dessa forma, então, damos início a essa fase conclusiva do nosso colóquio. Merci beaucoup. Muito obrigado. Alors, donc, je vais faire une présentation aujourd'hui consacrée à la pensée de Marcel Gauchet, qui est un auteur important en France. Dans mon titre en français, je parle de relecture de Marcel Gauchet. Relecture parce que je suis un lecteur depuis très longtemps de Marcel Gauchet.
Je m'étais beaucoup attardé aux premières œuvres de Marcel Gauchet, en particulier au Désenchantement du monde, qui est une œuvre qui date de 1985. Mais dans ce texte-là, ce que je vous propose ce soir, c'est plutôt d'interroger ses derniers travaux qui portent sur l'avènement de la démocratie en quatre volumes, et en particulier sur le dernier volume qui s'appelle « Le Nouveau Monde ». Et qui, pour faire plaisir à Inacio, vient d'une certaine manière clore une trilogie thèse, antithèse, synthèse très hegelienne, puisque j'ai cru comprendre que lors de la première soirée, vous aviez eu un interlocuteur qui vous avait parlé d'une solution plutôt socialiste au problème des sociétés contemporaines. Hier, quelqu'un qui vous avait parlé de la solution néolibérale. Je vais donc tenter une synthèse avec un auteur qui pense que la solution socialiste n'est plus d'actualité, mais qui ne se contente pas d'en rester à la solution néolibérale et qui nous propose une réflexion sur une société que nous avons à construire et qui, d'une certaine manière, fasse un petit peu, comment dire, le pont entre, d'un côté, la volonté collective de tracer notre futur, qui est la solution, l'ancienne solution socialiste, et puis la permanence du marché, du marché conçu, malgré tout, comme la meilleure solution pour régler les questions de consommation. Le texte se trouve en portugais derrière moi et je vais essayer d'aller relativement lentement pour permettre à Ignacio de suivre et pour ceux qui comprennent un peu le français, pour vous permettre aussi de comprendre ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc, dans le cadre de ce colloque consacré au lien entre normativité et marché, il m'a semblé naturel d'aborder cette question à partir d'une relecture de l'œuvre de Marcel Gauchet, œuvre qui a pour elle d'analyser à la fois la production de la normativité moderne à travers l'émergence de la figure singulière de l'État et celle des droits individuels qui en sont devenus le pendant naturel, en particulier dans nos régimes démocratiques modernes. Cette réflexion sur le politique, qui caractérise l'œuvre tout entière de Marcel Gauchet, s'inscrit au fond dans une logique de compréhension du phénomène démocratique. Car la grande question à laquelle tâche de répondre la pensée de Marcel Gauchet est bien celle de comprendre le mystère démocratique. Nous vivons dans des régimes démocratiques qui nous paraissent naturels, mais ce que veut montrer l'œuvre de Gauchet, c'est qu'il n'y a rien de plus artificiel que la démocratie. Donc c'est sa grande question, hein, c'est la grande question à laquelle il souhaite répondre, tant au niveau des raisons qui ont expliqué l'émergence d'un pouvoir conçu comme autonome, qu'au niveau des mécanismes qui permettent d'en comprendre le fonctionnement. Or, comme je vais essayer de le montrer ce soir, ces mécanismes démocratiques se sont grippés dans les dernières décennies, nous conduisant à une crise globale du modèle démocratique, dont les effets sont certes différents d'une démocratie à l'autre, mais n'en sont pas moins révélateurs de causes souvent identiques. Et je dis que les effets sont différents d'une démocratie à l'autre, car si on pense à l'exemple brésilien, il est assez différent des exemples démocratiques européens sur lesquels repose en général l'analyse de Marcel Gauchet. À l'intérieur de cette réflexion sur le modèle politique de la démocratie moderne se trouve également une analyse de la naissance du marché sous sa forme capitalistique qui lui est intimement liée. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de démocratie libérale ? Ainsi que des évolutions qu'il a connues par la suite, pour embrasser peu à peu la figure du néolibéralisme actuel et qui n'est pas sans lien direct avec la crise de la démocratie que j'évoquais précédemment. Il faut bien comprendre que pour Marcel Gauchet, l'émergence de ces deux phénomènes, l'État et le marché, n'est en rien fortuite et qu'elle procède d'un même mouvement historique qui est celui du désenchantement du monde, pour reprendre l'expression qu'il a rendue célèbre en 1985, hein, c'est la date de publication de son livre « Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion », mouvement historique qui a permis au fil du temps l'émergence du modèle démocratique, mais qui nous a conduit aussi au monde désenchanté, qui est le nôtre aujourd'hui. Là encore, l'expression est utilisée par Gauchet, hein, elle l'a utilisée il y a une dizaine d'années, pour décrire notamment la situation de crise qui est la nôtre, aujourd'hui au sein de nos systèmes démocratiques. Donc on serait passé du désenchantement du monde
à un monde désenchanté. Après avoir rappelé en quelques mots le parcours intellectuel de Gaucher qui l'a conduit à faire de l'avènement de la démocratie le revers de sa théorie du désenchantement du monde, je m'attarderai plus en détail sur ce monde désenchanté qui caractérise la situation actuelle, où le régime de l'autonomie, qui était pensé à ses débuts sous la forme positive de la solution idéale permettant de sortir du régime de l'hétéronomie, où le pouvoir au fond vient d'ailleurs, est devenu de nos jours un problème délicat, notamment au niveau de la conciliation des trois éléments fondamentaux qui le constituent, à savoir le politique, le social et l'historique. C'est ça la grande thèse de Marcel Gaucher. Si nos sociétés démocratiques ne fonctionnent pas, c'est qu'elles ne jouent pas pleinement leur rôle au niveau de l'autonomie, qui suppose, au fond, que les trois éléments constitutifs sur lesquels elles s'appuient, à savoir l'historique, le politique et le social, fonctionnent de concert et pas l'un contre les autres. Alors je vais commencer par vous rappeler en quelques mots la finalité du travail de Marcel Gaucher, qui vise, au fond, à éclairer les conditions de déploiement dans le temps des différentes communautés humaines afin de repérer ce qui perdure, ce qu'il appelle la condition politique, qui est un élément consubstantiel à toute société humaine, et ce qui se modifie, ce qu'il appelle la condition historique, qui concerne différents modes de gestion du social ou de la société. Sa fameuse thèse du désenchantement du monde s'inscrit particulièrement dans cette réflexion sur les liens existants entre d'un côté la condition politique et de l'autre la condition historique. Elle permet notamment à Marcel Gaucher de montrer le caractère proprement exceptionnel de l'expérience démocratique moderne et de l'insérer à l'intérieur d'une histoire politique de la religion conçue sous la forme d'un processus de laïcisation qui a conduit à l'émergence d'un monde libéré de l'emprise structurante du sacré au sein duquel la religion n'a plus d'effet politique spécifique. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a plus de religion dans les sociétés démocratiques, mais qu'elle ne joue plus le rôle sacral qui était le leur par le passé. Il faut donc insister sur le caractère exceptionnel de l'expérience démocratique, car le temps long de l'histoire montre que les hommes ont plutôt préféré le régime de l'hétéronomie, d'un pouvoir qui vient d'ailleurs, à celui de l'autonomie, où nous sommes nous-mêmes la source du pouvoir, et qu'ils se sont servis de la religion ou du religieux à cette fin. Faire en sorte de ne pas assumer, au fond, l'autonomie politique. Alors, je vais faire un petit détour par l'anthropologie, parce que c'est sous l'angle de l'anthropologie, en opposant les sociétés primitives et les sociétés étatiques, que Marcel Gaucher va faire émerger le rôle essentiel de la religion. En prenant, pour exemple, les sociétés primitives, et en s'inspirant notamment des travaux de Pierre Clastres, Gaucher présente ces sociétés comme ayant fait le choix de la dépossession de soi. Donc c'est le régime de l'hétéronomie pure, c'est l'hétéronomie dans son essence, afin de refuser l'exercice du pouvoir qui conduit à l'émergence de l'État et avec elle à la domination politique des uns sur les autres et donc à la séparation du corps social en classes distinctes. Les sociétés primitives, ce sont des sociétés qui refusent le régime de l'inégalité et donc de la stratification sociale. Cette dépossession s'explique par une utilisation particulière du religieux sous la forme d'un mythe originel, que la communauté se raconte sans cesse pour se maintenir telle qu'elle et pour ne pas évoluer, mythe qui ne peut être questionné ou remis en question, et qui a pour fonction de tenir ensemble les membres d'une communauté, de maintenir l'essentielle unité du groupe. Oui. Oui, parce que sinon... Ah d'accord, parfait. Donc je reprends. Important donc, pour ces sociétés primitives de se penser sous la forme d'un mythe originel, qui a pour fonction ce mythe de tenir ensemble les membres d'une communauté, de maintenir l'essentielle unité du groupe qui l'unit à travers l'intangibilité des règles de vie qu'il promeut et l'extériorité radicale de son fondement. De ce fait,
La religion est à la fois ce qui fonde l'unité de la communauté et ce qui égalise les conditions de chacun à l'intérieur de cette même communauté. Pour Clastre comme pour Gaucher, les sociétés primitives sont organisées pour répondre à ce type de principe et tous les moyens sont bons pour préserver les principes en question. Et pour eux, pour Clastre, pour Gaucher, le fait que certaines sociétés ne soient pas parvenues à se constituer sous une forme étatique n'est pas nécessairement à concevoir comme un échec, car il peut y avoir une vraie positivité dans le manque d'État, une vraie originalité à se penser contre l'État. Cette décision prise par une société à un moment donné de se situer vis-à-vis du pouvoir, de l'histoire et de la nature, c'est ce que Clastre nomme un acte sociologique. Pour ce dernier, les sociétés primitives sont des sociétés qui ont, je mets des guillemets, choisi, inconsciemment, consciemment, difficile de savoir. Donc ce sont des sociétés qui ont choisi de refuser la division sociale et la représentation du pouvoir, hein, qu'il y ait un lieu du pouvoir à l'intérieur de la collectivité, afin d'éviter le conflit social à l'intérieur de la communauté et toute forme d'inégalité. Je ne reviendrai pas sur les travaux de Pierre Clastre, hein, mais Clastre montre bien qu'à l'intérieur de ces sociétés primitives, le soi-disant chef n'a aucune autorité politique. Il n'a pas le droit, par exemple, de déclarer la guerre. Donc, la figure qui paraît être la figure même du politique à l'intérieur de la communauté est une figure désacralisée. Pour poursuivre donc, sur cette analyse des sociétés primitives, on peut dire que la religion joue un rôle fondamental dans la thèse de Gaucher, puisque c'est à la religion que revient la charge d'expliquer le passage des sociétés primitives aux sociétés étatiques, et donc l'apparition de l'institutionnalisation du religieux, il va cette fois-ci avoir une place, il va être considéré comme une institution, et de la hiérarchisation du social. Parce qu'à partir du moment où la religion se trouve intégrée à l'intérieur de la société, il y a des gens qui vont la représenter, et ça va donc créer de l'inégalité. La fonction de la religion est d'instaurer l'autre au sein du même, de déplacer le lieu de la décision politique hors de son champ d'application naturel, à savoir la société, afin de gérer efficacement la question du pouvoir et les possibles affrontements entre les hommes pour la détention de ce pouvoir. Dans les sociétés primitives, la religion rend compte de la scission constitutive qui traverse toute société en essayant de la masquer, en projetant la violence symbolique des relations de pouvoir entre les hommes à l'extérieur de la société, qu'elle vient pacifier du même coup. Le pouvoir n'est pas aboli, il existe, mais il est transféré dans un ailleurs si éloigné des hommes qu'aucun d'entre eux ne peut prétendre y avoir accès et l'utiliser pour se soumettre les autres hommes. Les sociétés primitives, pour le dire en un mot, n'ont pas aboli le politique, elles ont tout simplement cherché à le dissimuler, à le cacher. On comprend alors en quoi l'émergence de l'État va rompre avec cette logique. Puisque l'altérité n'est plus vécue sous la forme d'un ailleurs, mais qu'elle est présente à l'intérieur de la société. Et cette présence s'explique par la nouvelle fonction de la religion, qui en vient à séparer ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas représenter le divin. Je passe sur toutes les considérations religieuses que met de l'avant Gaucher dans le désenchantement du monde, en séparant différents types de religions et différents types de naissances d'État, pour en venir à ce qui est le plus important pour lui, à savoir la présentation du christianisme comme religion de la sortie de la religion. Donc, dans le cadre de sa réflexion, le christianisme va jouer un rôle essentiel en se présentant comme la religion de la sortie de la religion. D'une part, le christianisme est une religion du paradoxe qui encourage à la fois le souhait de quitter le monde et la volonté de le transformer. Ainsi, le phénomène de l'incarnation christique témoigne à la fois du fait que le salut est bien hors du monde, hein, le royaume de mon Père n'est pas de ce monde. Il faut donc répondre à l'appel du Christ, mais aussi que ce monde a sa consistance propre et qu'au lieu de chercher à le fuir, il faut l'habiter. Il faut le transformer, il faut le rendre plus conforme à la perfection de son créateur. Et on entrevoit d'ailleurs ici quelques thèses fondamentales du protestantisme. D'autre part,
Le rôle et la fonction jouée par l'Église au cours de l'histoire ont fait naître une relation très particulière du rapport entre invisible et visible. D'un côté, en tant qu'institution médiatrice menant au salut, l'Église s'est présentée comme instrument de domination sur les croyants. De l'autre, en permettant l'interprétation des textes sacrés, elle a ouvert la voie à la liberté de conscience et à l'intériorité de la foi. Et on ne peut pas punir la conscience errante. D'une certaine manière, le christianisme est par nature une religion des hérésies. À cela s'ajoute le fait que l'Église se soit présentée comme une structure hiérarchique, exerçant son contrôle sur les âmes, tout en laissant à l'autorité civile le soin de gérer les corps, permettant du coup l'extension des prérogatives de l'État et même son autonomisation progressive. En effet, la reconnaissance par l'Église de la légitimité du pouvoir politique est un premier pas vers son autonomisation, car l'État royal va pouvoir revendiquer par la suite, auprès de l'Église elle-même, la primauté, en ne se reconnaissant aucune dette à son égard, puisque son pouvoir aussi dépend de Dieu. Les rois de France étaient sacrés à Reims. Par là peut se comprendre l'un des renversements significatifs de l'entrée dans la modernité, l'autonomisation du politique et à travers lui l'imbrication de plus en plus profonde du politique et du social, avec au final l'émergence de l'État moderne comme gestionnaire d'un territoire donné et de la société civile qui en est l'indispensable reflet. C'est ce qu'on appelle l'État-nation. C'est au fond cela qui caractérise, selon Goucher, le long processus du désenchantement du monde qui a peu à peu conduit à l'émergence de nos régimes démocratiques. Alors c'est une synthèse un peu rapide que je fais parce que il me faudrait une conférence ou plutôt un cours de 8 à 10 heures pour rentrer dans tous les détails de l'analyse de Goucher qui lui permettent d'en venir effectivement à cette autonomisation du politique sous la forme de l'État moderne. Je vais donc passer à la seconde partie qui concerne, une fois que cet État moderne est en place, le passage donc du désenchantement du monde à un monde désenchanté. Donc les premières analyses de Goucher jusqu'aux années 85, qui représentaient plutôt l'analyse de ce passage du désenchantement du monde et qui ont été remplacées dans les dernières années par les analyses de Goucher sur le monde désenchanté. Ceci étant, à la fin du désenchantement du monde de 1985, Goucher était l'un des seuls à tirer la sonnette d'alarme en s'inquiétant de la dérive de la démocratie des droits de l'homme, problématique que je vais aborder maintenant. Une fois expliquée l'émergence des régimes démocratiques au plan historique, reste à comprendre ce qui, aux yeux de Goucher, pose problème et ce qui explique la crise contemporaine de la démocratie qu'il ne cesse de décrire et d'interroger. Le constat de Goucher, à cet égard, tient en trois points. Premièrement, nous avons affaire à une seconde crise de croissance de la démocratie. Deuxièmement, ce qui est le propre de cette crise, de cette seconde crise de croissance, c'est de miner les fondements mêmes du régime démocratique. C'est-à-dire que contrairement à la première crise de croissance, l'ennemi n'est pas externe à la démocratie, il lui est interne. Troisièmement, cette crise renvoie au final à la nature même de la démocratie, qui est d'être composée de trois éléments fondamentaux, le juridique, le politique et l'historique, dont l'alliance n'est pas toujours évidente, et en tout cas de nos jours, de moins en moins. Et donc une partie de mon travail ce soir sera de vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où nous sommes nous-mêmes ignorants du fonctionnement idéal du régime démocratique. La première crise de croissance de la démocratie remonte à la première moitié du XXe siècle, lorsqu'une large partie de l'électorat ne s'est plus reconnue dans l'institution démocratique, mais lui a préféré un régime autre, totalitaire, cette fois. Je pense évidemment au totalitarisme de droite comme de gauche. Ce type de crise qui a mené au totalitarisme du siècle précédent, ne semble pas ou plus menacer à court ou moyen terme nos régimes démocratiques qui actuellement
font consensus. Ceux-là même qui s'y opposaient le plus, ceux-là même qui le combattaient le plus farouchement, ce régime démocratique, jusque dans les années 70, s'y sont par la suite ralliés et ne parlent plus désormais que de réformer le système démocratique et non plus de le renverser. Bref, son existence semble à l'abri de toute forme de contestation radicale, mais cela n'empêche pas que la façon dont la démocratie fonctionne aujourd'hui et dont ses membres la pensent et en disposent ne puisse à terme conduire une nouvelle fois à sa ruine. C'est comme si l'autonomie, envisagée au départ comme la solution politique par excellence, était finalement devenue le problème majeur de la démocratie actuelle. Pour le dire autrement, c'est au moment même où la démocratie connaît une seconde croissance, où elle n'a plus d'adversaire de taille en face d'elle, qu'elle entre en crise. Crise qui est en lien avec cette croissance et avec les déséquilibres qu'elle fait naître, qui ne sont pas étrangers à l'analyse faite par Gaucher du désenchantement du monde, c'est-à-dire du passage d'une structuration hétéronome de l'être ensemble à une structuration autonome. Au moment même où le pouvoir est totalement désacralisé, où la société est conçue comme libre association des individus, où l'histoire ne conditionne plus ni le présent ni l'avenir. Bref, au moment même où la démocratie semble avoir gagné, semble avoir rejoint pleinement ses conditions même d'existence, devant la rendre du coup pleinement opérationnelle, émerge un constat évident et paradoxal à la fois, à savoir que nos démocraties paraissent incapables d'assumer leurs propres principes et de se conduire selon le régime de l'autonomie qui les définit, c'est-à-dire d'être pleinement en possession d'elles-mêmes. Mystère de la démocratie. Comme le rappelle Gaucher, je le cite, « L'autonomie structurelle ne livre pas un monde humain social transparent à la pensée et maîtrisable dans sa marche. Ce peut même être le contraire, comme l'illustrent la confusion et l'impuissance actuelle. » Confusion et impuissance actuelle face au monde comme il va. Si l'on veut comprendre cette confusion, cette impuissance, il faut avant tout tenir compte de ce qui constitue l'essence de la démocratie moderne, à savoir ces trois facteurs fondamentaux que sont le politique, le juridique et l'historique. Si l'on en croit Gaucher, les problèmes actuels de la démocratie moderne portent à la fois sur des questions de principe et sur des questions de fait. Au niveau des principes, la question qui se pose est de savoir ce que signifie vraiment un gouvernement autonome de l'être social, de la société. Or, se gouverner soi-même ne va pas de soi. Et cela pose la question des rapports entre structuration collective et conscience des acteurs, qui est d'autant plus délicate aujourd'hui que cette conscience des acteurs est difficile tant la structuration collective de nos sociétés est devenue à la fois opaque et invisible, comme si nos sociétés fonctionnaient toutes seules et ne consistaient qu'en l'accord bien compris des intérêts de chacun. Si l'on en vient au niveau des faits, les difficultés sont tout aussi patentes et portent sur l'ajustement qu'il est possible de faire des constituants fondamentaux du régime démocratique, à savoir le politique, le juridique et l'historique. Comment, en effet, faire fonctionner ensemble et sans problème les impératifs politiques des régimes démocratiques, les exigences en termes de droits des individus et la nécessaire production du social au niveau historique. Là est sans doute la difficulté principale de ce régime mixte que représente la démocratie. Pour Gaucher, les années 1980, ça commence un peu avant, hein, à partir des années 73-74 avec le premier choc pétrolier, mais disons les choses un peu plus rapidement et de manière un peu plus synthétique. Donc les années 80 ont marqué avant tout la consécration d'un débalancement de la mixité démocratique au profit du droit, faisant émerger une nouvelle forme de société, plus procédurale, plus juridique, envisagée sous la forme d'une démocratie des droits de l'homme. Mais si la démocratie signifie véritablement deux choses, souveraineté du peuple et respect des droits de l'individu, alors, en oubliant la première, en oubliant cette dimension politique de la souveraineté collective,
nos régimes ont peu à peu glissé vers une démocratie minimale, c'est-à-dire une démocratie où la volonté générale, au sens rousseauiste, a été occultée par les intérêts individuels et où la sphère privée l'a peu à peu emportée sur la sphère publique, transformant la démocratie en société politique de marché. Une société politique de marché, ce n'est pas nécessairement une société où les intérêts économiques dictent aux politiques la marche à suivre. C'est une société dont le fonctionnement politique imite celui des marchés, de telle manière que sa forme d'ensemble se réduise à n'être que le résultat du jeu des différents acteurs qui s'effectue au terme d'un processus auto-régulé. Dans ce cadre, quel rôle pour l'État ? Les gouvernants ne visent plus qu'à arbitrer les règles du jeu en question pour que celui-ci fonctionne du mieux possible, d'où peut-être la mode actuelle du terme de gouvernance, qui n'est autre qu'une politique sans pouvoir réel, c'est-à-dire une politique destituée de la capacité de donner un sens historique au collectif par la réflexion et la volonté qu'elle devrait mettre en branle. À cet égard, le néolibéralisme correspond idéalement à cette forme moderne de gouvernement, puisqu'il s'agit de rendre la politique plus conforme à ses principes en limitant le pouvoir à la représentation la plus proche possible des besoins et des souhaits des acteurs sociaux, en accentuant la protection des libertés individuelles, et notamment les droits des minorités, et en laissant libre cours à l'initiative individuelle, en particulier dans le domaine économique. Et la figure majeure de tout ceci, c'est évidemment l'entrepreneur. Et l'on ne cesse de vanter la société de l'entrepreneuriat. Au fond, pour citer Gaucher, le néolibéralisme représente, je cite, « l'enfant naturel de la radicalisation de la modernité ». Il est le produit direct du sacre du droit, du découronnement du politique, de la démultiplication de l'orientation historique. Effectivement, si la société se réduit à n'être qu'une société des individus, alors oui, le droit est mis de l'avant, le politique est menacé et l'historique est complètement débalancé puisque chacun ne fait que poursuivre ses propres besoins et intérêts. Alors que le politique avait conservé une place dominante sous la forme d'un État-providence et planificateur jusque dans les années 1970, la crise économique qui s'est alors produite à cette période, a conduit au retour des politiques libérales anglo-saxonnes, en Angleterre d'abord, puis aux États-Unis ensuite, auxquelles se sont ajoutées par la suite la chute du mur de Berlin, qui signait la fin de l'expérience révolutionnaire et la débâcle des économies collectivisées, ainsi que la financiarisation d'un capitalisme mondialisé, éléments qui ont réduit la portée de l'État planificateur et organisateur au profit de la logique de marché. Au fond, c'est à ce moment-là que l'idéal révolutionnaire socialiste commence à disparaître petit à petit de la réflexion politique parce que les États planificateurs n'ont pas su anticiper la crise de 73 et sont incapables d'y répondre. Donc c'est le moment où, à contrario, va émerger une nouvelle manière de penser le collectif, à savoir le néolibéralisme. Ce mouvement néolibéral est indissociable d'un bouleversement des techniques d'information et de communication qui va peu à peu reconfigurer l'être collectif, permettant à la fois de relier et d'individualiser les atomes sociaux et contribuant à l'affirmation des identités individuelles et communautaires, au détriment, là encore, du collectif qui était représenté par l'État. La démocratie politique, qui fonctionnait tant bien que mal jusque dans les années 70, s'est alors transformée en démocratie judiciaire. Le vieux problème de la participation des citoyens au pouvoir a été éclipsé au profit des protections à assurer aux citoyens contre les abus de pouvoir de la majorité. Alors que le droit servait par le passé à manifester l'autorité de l'État, il est désormais conçu comme l'instrument d'une société civile qui vise à son autosuffisance. L'affaiblissement de l'État comme lieu de projection du désir collectif fait naître, paradoxalement, en retour, un renforcement de l'État comme garant des droits individuels et de la coexistence pacifique des individus.
L'État se présente alors comme le garant de l'observation des règles du jeu libéral et non plus comme l'instance pouvant diriger l'action des individus au nom d'un intérêt supérieur. Le fait est que cette marchandisation du monde se transforme peu à peu en marchandisation de l'existence, le modèle du marché se déployant peu à peu sur toutes les formes possibles de relations sociales, modifiant peu à peu le comportement des individus, eux-mêmes, de vous, de moi. De l'homme public ayant des devoirs envers la collectivité à l'individu contemporain n'ayant de devoirs que vis-à-vis de lui-même et à la limite de ses proches, la transformation est loin d'être négligeable. L'étonnant ici, c'est que la revendication de nouveaux droits est faite au nom d'une défiance vis-à-vis d'une instance représentative collective qui pourtant garantit ces mêmes droits. Les individus s'en remettent donc à ce même pouvoir qu'ils souhaitent vouloir récuser ou limiter au nom d'un État minimal, alors même que la revendication de nouveaux droits ne peut qu'accroître son influence. Cette transformation, donc, elle est propre au néolibéralisme, qui ne cesse de défaire peu à peu toute forme d'encadrement collectif sans pour autant proposer de modèle alternatif. Alors que le libéralisme classique s'appuyait sur une théorie de la société, une théorie de l'individu, et sur des principes qui lui donnaient sa cohérence, liberté personnelle, indépendance de la société civile par rapport à l'État, le tout articulé à une conception de l'histoire vécue sous le signe de l'émancipation et du progrès, le néolibéralisme ne mobilise rien de tel. Il semble s'être imposé avant tout par défaut. Gaucher parle à son égard d'une idéologie minimale, pauvre, idéologie qui ne prétend rien transformer, mais seulement justifier ce qui existe et optimiser ce qui existe. Contrairement au libéralisme classique, qui s'inscrivait dans la perspective de l'État-nation, tout en veillant certes à ce que l'État respecte les libertés individuelles et laisse à la société son indépendance, le néolibéralisme s'ancre dans un contexte où le politique ne joue plus son rôle d'animateur du destin collectif et où le futur n'est plus vécu sous le signe de l'espérance. Je cite Gaucher, plus d'enfermement dans les frontières de l'État-providence, plus de liens prédéterminés à respecter, plus besoin de se définir historiquement. La nouveauté du néolibéralisme réside dans cet affranchissement complet, dans le principe, de tout ce qui conférait son visage d'obligation préalable à l'être ensemble, à savoir la subordination politique, les devoirs liés à l'appartenance, appartenance à telle ou telle communauté, à telle ou telle famille, les comptes à rendre aux acquis d'une tradition partagée. Nouveauté prodigieuse, à n'en pas douter, puisqu'elle met pour de bon à l'ordre du jour la redéfinition des communautés humaines sous le signe de l'association des libertés et de la fédération des consentements. Et Gaucher va même jusqu'à parler d'une possible mutation anthropologique entre les individus que nous sommes aujourd'hui par rapport aux individus que le long cours de l'histoire a connus par le passé. Normativité et marché, nous y sommes. En effet, le règne des droits individuels implique celui de l'économie. La société des individus étant celle où l'activité sociale a pour dimension première l'économie, mais aussi celle qui attend de l'économie une part essentielle de sa réalisation. Dans ce contexte, le gouvernement n'est que l'expression et l'instrument de la société des individus, et il n'est plus là pour définir une direction générale et planifier l'avenir à moyen et long terme, ce qui en réduit la portée, comme je le disais tout à l'heure, à un rôle d'arbitre. Pourtant, malgré cette réduction de l'État à un simple rôle arbitral auquel elle conduit, la pensée néolibérale apparaît aussi sous la forme d'une réalisation possible et séduisante du règne de l'autonomie, et c'est ce qui en fait aujourd'hui la force. C'est pourquoi il est si difficile de lui opposer un adversaire idéologique conséquent, et c'est pourquoi l'on en reste souvent à la critique des conséquences d'un tel modèle économique. Cette force idéologique s'explique par sa cohérence avec l'état actuel de nos sociétés,
car le néolibéralisme, non seulement s'accommode très bien de la déliaison de l'individu de droit, de l'indépendance de la société civile et du culte du présent, mais en plus, il les renforce. En effet, il n'a pas son pareil pour allier, brasser, croiser, combiner, sous les angles les plus variés, les expressions de l'individualisation juridique, les innovations des technosciences et le calcul de l'efficacité. De ce fait, l'idée démocratique en est venue à se confondre avec l'idée d'une société politique de marché qui s'est diffusée à l'ensemble de la planète sous la forme d'atomes désirants, nous, s'éprouvant et se voulant des individus en fonction de leurs désirs, qu'ils vivent d'ailleurs dans des états de droit ou non. Ce désir d'atomes qui souhaitent construire leur propre vie de manière individuelle est partagé par des individus qui ne vivent pas à l'intérieur de régimes démocratiques. Donc ça s'est diffusé sur l'ensemble de la planète. Dans ces conditions, l'emprise du néolibéralisme apparaît aussi naturelle qu'indépassable, puisque la logique du marché est celle-là même de la société des individus. J'en viens à ma troisième et dernière partie, qui souhaite ne pas se contenter de cette conclusion un petit peu désespérante. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est que le discours néolibéral n'est pas un discours sans contradiction et que l'effacement du politique, du social et de l'historique qu'il appelle de ses voeux ne va pas de soi et pose de graves problèmes à notre démocratie. D'abord, en démocratie, le pouvoir politique ne se réduit pas à la seule représentation de la société. Ça, c'est un premier point. Ensuite, la société des individus n'est pas simplement la simple association de ceux-ci. C'est un deuxième point. Même si ces deux points sont souvent ou trop généralement oubliés, il n'en reste pas moins qu'ils correspondent à une définition authentique de ce qu'est la démocratie. Enfin, la célébration du présent, propre à la logique néolibérale, n'empêche en rien le rattachement au passé et à la considération de l'avenir. Même si politique, société et histoire ont perdu de leur sacralité, de cette sacralité qui leur venait du régime de l'hétéronomie, il n'empêche que ces éléments conservent une consistance irréductible dont le discours néolibéral est incapable de rendre compte et devant lequel il s'arrête. C'est peut-être ce qui explique pourquoi son succès est avant tout une victoire à la Pyrrhus et pourquoi s'exprime un malaise grandissant face au monde comme il va. Si la démocratie néolibérale semble l'avoir emporté dans les faits, il n'en reste pas moins que les doutes à son égard ne cessent de s'accumuler, notamment en ce qui concerne la question environnementale, sans doute l'une des plus pressantes et des plus évidentes, mais qui n'en est qu'une parmi bien d'autres. Gaucher parle à ce propos d'une axiomatique néolibérale tout simplement incohérente et qui explique la crise actuelle de la démocratie, car cette axiomatique néolibérale voudrait à la fois la politique sans le politique, l'individu de droit sans la société des individus et l'action historique sans l'histoire. Certes, au niveau politique, nos sociétés se soucient en général davantage de l'expression des minorités et donc d'une représentation accrue de la diversité sociale, mais cette prise en compte des minorités, au lieu de réduire le malaise que chacun perçoit au niveau de la représentation de la société, ne fait que l'amplifier. Et qui ne voit que la réponse actuelle, qui consiste à exiger plus de droits encore pour accroître inclusion et diversifier, ne fait que renforcer ce malaise au lieu de le dissiper. Ce qui veut dire que, pour en rester à l'élément politique, que le problème de la représentation est ailleurs que dans cette volonté farouche de prise en compte de la reconnaissance de la diversité. Comme le rappelle à juste titre Gaucher, la fonction de la représentation politique ne se limite pas à l'expression de la pluralité sociale. Elle doit aussi représenter le politique, c'est-à-dire rendre compréhensibles les questions qui engagent l'existence de la société elle-même et la puissance d'agir sur celle-ci, cette puissance de se gouverner qui la constitue en une communauté véritablement politique. Sans cette représentation assumée de cette capacité collective, les représentants n'ont pas de voix réelle et sont extérieurs à ce qui constitue réellement une communauté politique. Le malaise actuel vient du fait que le politique n'est plus vraiment représenté dans la sphère publique,
que les acteurs politiques, nos hommes politiques, ne saisissent plus la fonction qui est la leur, ce qui explique en retour le sentiment d'impuissance des citoyens et leur désaffection vis-à-vis des enjeux politiques. En outre, qui ne voit la contradiction entre un discours néolibéral qui évoque un État minimal et l'accroissement indéfini des fonctions étatiques qui explique en bonne partie l'endettement des démocraties actuelles, comme si la dette exprimait à sa manière l'impossibilité d'assumer en conscience les coûts du fonctionnement collectif. Comme l'écrit à juste titre Gaucher, je le cite, « Nos sociétés vivent en rentière, insoucieuses sur un capital qu'elles consomment sans se tracasser de le renouveler. C'est l'un des dysfonctionnements criants de la démocratie néolibérale. Il entache la fonction gouvernante d'une suspicion chronique d'irresponsabilité. » Mais plus encore que d'irresponsabilité, il faut parler ici d'une forme de démission, comme si l'impuissance de nos politiques reflétait celle d'une société qui souhaiterait se contenter de ne plus avoir prise sur elle-même, mais qui ne peut en réalité s'y résigner. Je laisse donc de côté la question politique pour en venir au second aspect de la démocratie mixte, à savoir le juridique. Sur le terrain du droit, une analyse quelque peu similaire peut être faite. À trop exacerber les droits individuels, le souci du collectif s'est perdu, et les individus ont été renvoyés du côté de la sphère privée et d'une quête permanente de satisfaction individuelle. C'est ce que Gilles Lipovetsky appelle l'hyperconsommation. Mais du coup, en ne vivant que pour lui, notre narcisse contemporain a perdu toute emprise réelle sur le fonctionnement même de la société qui est la sienne, et donc sur son évolution, d'où le sentiment là encore d'une forme de dépossession et un malaise grandissant face à une aliénation d'un nouveau genre. Nos individus contemporains, se contentant de leur propre vie privée, n'influent plus sur le destin collectif. Bien sûr, vous me direz, l'arrachement tant à l'histoire qu'à la géographie a pu être vécu sous la forme d'une libération, et le cosmopolitisme pensé comme une vertu moderne, opposé au régime de l'appartenance des anciens, qui attribuait à chacun une place, une fonction particulière. Mais il n'en reste pas moins que le renvoi de chacun vers la sphère privée et la possibilité de définir le style de vie qu'il souhaite a pour contrepartie une incapacité de penser le collectif et la cohésion interne des communautés, en particulier dans un contexte de globalisation généralisée. Or, en ne pouvant se définir collectivement, par rapport aux enjeux qui leur sont externes, nos sociétés souffrent de l'incapacité à se présenter comme des entités politiques véritablement soucieuses de leur cohérence. À cet égard, la question migratoire a l'avantage de formuler clairement le problème. En acceptant la prémisse des droits individuels, ainsi tous les individus sont porteurs de droits dès leur naissance, il devient impossible de ne pas conduire cette prémisse jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à accepter un droit illimité de circulation et d'installation pour tout individu sur le territoire de son choix. C'est bien sûr hypothétique, mais ça fait partie quand même de la dynamique même de la réflexion sur les droits individuels. Dans ces conditions, et le multiculturalisme en donne déjà l'exemple probant, une société formée d'individus sans appartenance à une même identité collective est une société dont les membres n'ont en commun que les règles destinées à préserver le jeu de leurs droits et intérêts, où la notion de peuple, chère à la démocratie des anciens, perd toute consistance. C'est donc une société néolibérale. La question posée par les mouvements migratoires représente ainsi la forme la plus avancée de réduction du politique par le droit, ce qui explique sans doute l'anxiété caractérisée des sociétés qui y sont confrontées de nos jours, sans doute parce qu'elles n'ont plus les ressources internes pour y faire face avec sérénité. Dernier élément de ce régime mixte qu'est la démocratie, l'élément historique. Quant au domaine historique, pensez avant tout sous la catégorie du présent à l'intérieur de nos sociétés néolibérales, il soulève des inquiétudes du même genre,
tant par rapport au passé dont on a tâché de s'affranchir que par rapport au futur dont la figure devient de plus en plus opaque et indiscernable. D'où un sentiment, là encore, de désorientation et de frustration généralisée et la reconnaissance d'une vraie crise de la démocratie qui est une crise de l'autonomie et des moyens de faire fonctionner cette autonomie. Et pourtant, me direz-vous, jamais société n'a disposé d'autant d'outils pour se penser et se comprendre. Mais la société du savoir, ou la société de la connaissance, appelez-la comme vous voudrez, cette société du savoir de la connaissance qui est la nôtre, apparaît en réalité comme une société des savoirs parcellaires, des savoirs éphémères, qui ne disent rien en réalité sur la crise de la démocratie. Certes, en un sens, le développement de la société du savoir obéit à la logique de l'autonomie. Il est animé par l'aspiration à l'autoproduction du monde humain qui le rendrait maîtrisable grâce à sa conformité avec les principes universels du savoir rationnel. Sauf que cette version de l'autonomie par le savoir débouche sur un mode de fonctionnement aveugle, intenable et autodestructeur. Aveugle en ce sens qu'il s'en remet à un mécanisme économique, le marché, qui n'est certes pas dépourvu de but, mais qui est ignorant de ses conséquences. Intenable du fait que les réalités qu'il exclut de son champ de vision se révèlent indispensables à l'existence collective. Autodestructeur parce qu'il tente à dissoudre ces réalités alors même qu'il se repose sur ces dernières, et notamment le politique. Et Gaucher de pointer du doigt un tel paradoxe, je cite, « cette réflexivité opérationnelle d'une puissance de transformation sans égale crée une société de l'irréflexion radicale. La société que l'on pourrait être tenté d'appeler réflexible sur cette base est la plus dépourvue qui soit de réflexivité véritable. Nos sociétés sont incapables de se penser. Elle se pose comme la société la plus incapable qui soit spontanément de se penser. Son mouvement même l'en détourne. Elle bannit de son fonctionnement toute interrogation sur ce qui lui permet de fonctionner de la sorte, sur ses conditions de possibilité, en d'autres termes, sur ce qu'elle représente par rapport aux sociétés du passé. Bref, sur sa situation dans l'histoire, mais aussi bien sur ce que pourrait être une autre organisation collective au futur. C'est donc une société qui ne travaille qu'à se changer, mais elle repose sur l'admission tacite que l'organisation qui préside à ce travail de changement, elle, est définitive et intangible. Bref, qu'il n'y a pas d'autre société possible. Au fond, si l'on suit Gaucher dans son analyse, il faudrait sortir de la société du savoir, qui repose sur une réflexivité de type strictement opérationnel, comment au fond améliorer les choses, comment être plus efficace ou plus efficient, pour entrer véritablement dans la société de l'autonomie, qui devrait reposer, elle, sur une véritable auto-réflexivité. Le problème, c'est que nos régimes démocratiques se perçoivent plus sous leurs conditions historiques que politiques, faisant du politique un héritage du passé, dont on peut se débarrasser, conception notamment portée anciennement par l'idéal révolutionnaire qui visait à produire une société sans État et qui se renouvelle aujourd'hui sous les traits d'un individualisme juridique et d'un libéralisme économique réduisant le politique à un simple rôle annexe de gestionnaire du social. Or, cette conception est à la fois naïve, elle oublie que le politique constitue l'essence de la vie collective et que c'est lui qui lui donne un sens historique, et elle est aussi dangereuse, car la démocratie repose sur un délicat équilibre entre politique, juridique et historique. Et à chaque fois que l'un des trois éléments l'a emporté sur les deux autres, ça conduit à une crise majeure de la démocratie. C'est sur ce constat de l'importance d'en revenir à un régime mixte équilibré que je souhaiterais conclure. Pour y parvenir, il va nous falloir réarticuler la politique avec le politique, réinscrire les droits individuels dans leur société, réinsérer la production de l'avenir dans le devenir qui lui donne sens, et faire marcher ces éléments ensemble dans une communauté politique dont les acteurs savent qui ils sont et ce qu'ils veulent.
si la direction de ce mouvement n'est peut-être pas encore totalement claire au niveau collectif, il n'en reste pas moins que l'insatisfaction d'en rester au statu quo est palpable au niveau individuel, par vous, par moi. Cela s'exprime par la désolation devant l'impuissance de la politique, à laquelle pourtant chacun d'entre nous participe par la revendication anarchique de ses droits. Cela se manifeste aussi par le sentiment de vulnérabilité d'une indépendance individuelle qui se réduit à peu de choses hors de la société contre laquelle elle prétend s'affirmer. Cela se traduit encore par la désorientation identitaire par rapport aux certitudes du présent, insuffisamment forte pour conjurer l'anxiété de ne pas savoir d'où l'on vient, ce que l'on fait et où l'on va. Bref, chacun s'aperçoit que la liberté des modernes nous a certes conduit à pouvoir définir de manière autonome le sens de notre existence individuelle, mais tout en perdant le contrôle sur une forme de gouvernement collectif du social qui conditionne pourtant le sens que nous voulons donner à notre existence. Nous nous sommes bien libérés peu à peu du régime de l'hétéronomie, de ce pouvoir qui nous gouvernait d'ailleurs, mais sans pour autant accéder pleinement à celui de l'autonomie. Ainsi, si les formes et le modèle à venir de la démocratie mixte et autonome restent encore à définir, on peut s'entendre, me semble-t-il, malgré tout, sur les éléments indispensables de sa réalisation, à savoir 1. Un régime politique pleinement représentatif, qui soit le lieu de la délibération collective et pas simplement un simple organe de régulation des droits, des intérêts et des identités. 2. Une société des individus ordonnée autour de valeurs collectives et non seulement cantonnée à l'exercice des droits individuels. 3. Une inscription du politique et du social dans une continuité historique soucieuse d'un passé assumé et d'un futur commun qui se détache de la focalisation actuelle sur le présent. Nous avons collectivement les instruments permettant de tendre dans cette direction. Reste à savoir si nous aurons l'envie et le courage de les utiliser. Le plus difficile avec la liberté, avec cette liberté acquise de haute lutte au fil de l'histoire, c'est qu'il faut choisir et que personne ne le fera pour nous. Et refuser de choisir en se contentant de suivre le cours des choses, c'est encore choisir. Mais c'est faire le choix de subir là où il est possible de construire. Je vous remercie. Perguntas podem ser feitas em português lentamente. Eu vou também auxiliar na tradução. Ou porque o Sebastião entende um pouco, entende pouco não, sabe muito bem o espanhol. Então, se falarmos lentamente em português, pode ser em inglês, pode ser também em francês, claro. Então, eu faço em francês e depois traduzo. Eu faço em francês e depois eu traduzo. Então, bom, je posais d'abord en français et après j'ai traduit. Bon, merci beaucoup pour la très très belle exposition. Et j'ai ma question. J'ai deux questions en fait. La première, ce serait la question sur la relation entre le politique ou la démocratie et l'économie ou les marchés. Parce que vous avez parlé qu'il y aurait trois éléments fondamentaux pour la constitution de la démocratie, donc le politique, le juridique, l'historique. J'ai cru comprendre que vous faites une liaison entre les juridiques et l'économique. Donc, si vous pouvez éclairer un peu cette relation. Vous avez dit qu'il y a une transformation de la démocratie, surtout avec le néolibéralisme, une transformation de la démocratie en société politique du marché. Mais vous avez dit que ça ne veut pas dire que ce sont les intérêts économiques qui dicterait, qui dirait comment doit fonctionner les politiques, mais qu'il y a plutôt une imitation du fonctionnement du marché, qu'il y aurait une imitation, donc, que les politiques fonctionneraient
avec la même dynamique. Et donc, je voudrais savoir quelle est la différence entre cette de dire que voilà, c'est pas les finalement, c'est pas les lois du marché qui disent comment les politiques doivent fonctionner, mais c'est une imitation. Et donc, vous avez parlé des dettes, et moi, j'ai trouvé que cet exemple, c'est très intéressant, parce que vous avez dit que les dettes, ce serait un signe de l'irresponsabilité du politique. Et moi, je voudrais poser la question, est-ce que ça ne serait plutôt un signe que, finalement, qu'il y a une espèce de servilité du politique par rapport au marché. Donc, ça ne voudrait pas dire peut-être que, justement, le marché, il dicte, dans ces cas, la manière comme le politique, il doit fonctionner. Donc, ça serait la première question, le rapport entre l'économie et le politique. Et la deuxième question, j'ai trouvé très, très intéressant ce que vous avez dit sur l'incapacité d'une réflexibilité, je ne sais pas si c'était le mot en français. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on discutait justement quand Ricard doit exposer, il a fait une exposition cet après-midi, il parlait d'Axel Honneth, qui parle justement de cette nécessité, de ces mouvements de réflexion, des prises de distance par rapport aux institutions, et le fait que ce soit important une analyse de l'efficacité des institutions en rendre possible les promesses qu'elles-mêmes font. Et vous avez parlé de Gaucher qui dit qu'à travers cette réflexibilité, il y aurait une possibilité peut-être de créer une société complètement nouvelle. Donc je voudrais savoir à quel point, en quelle mesure Gaucher il serait pour un abandon complet des institutions actuelles ou des institutions qu'on a déjà pour une société complètement nouvelle, ou est-ce qu'il propose avec cette réflexibilité ou cette capacité de réflexion plutôt, disons, une récupération des institutions qu'on a. Merci. Bon. Je traduis donc. Então, a primeira pergunta era sobre a relação entre democracia e mercado, porque ele fala, então, que há uma... Segundo Gaucher, que haveria uma transformação, principalmente, né, em relação ao neoliberalismo, a partir dessa organização neoliberal, uma transformação da democracia em uma sociedade política de mercado, e o argumento é que isso não significaria que a economia passa a ditar as regras para a política, mas antes que a política funcionaria de maneira a imitar a esfera da economia. Então, eu peço qual que é a diferença, né? Ele dá um exemplo das dívidas públicas, e a minha questão é se isso não demonstra que, na verdade, é o mercado que ditaria, então, as regras da política. E a segunda questão é sobre a incapacidade, né? Que ele fala de reflexibilidade, talvez, o que, que isso significa e que medida, com o Gaucher, a gente pode pensar que esse exercício de reflexão ou de reflexibilidade significaria questionar as instituições atuais em que medida o Gaucher ele apoiaria a ideia de construção de uma sociedade completamente nova e... colocando em questão as instituições que nós já temos, as instituições atuais. Merci. Ce sont des questions intéressantes et assez complexes. La relation entre le politique et l'économie, du côté de Gaucher, au fond, ce qui est important pour lui, c'est de montrer que le contexte évolue à partir des années 70 et de manière relativement importante. D'un côté, avant 70, on a vraiment une conception de l'État où le politique domine l'économique. Et que ce soit du côté des sociétés démocratiques de l'Ouest,
ou du côté des sociétés planifiées de l'Est. Dans les deux cas, l'activité économique est soumise, au fond, à un État qui se présente comme un État bureaucratique, dirigiste, planificateur. Ça, ce sont donc les États tels qu'ils fonctionnent jusqu'à la crise de 73. Après la crise de 73, ce qui se produit, au fond, c'est la prise de conscience que, d'abord, l'État avait été incapable de planifier cette crise de 73, donc sa capacité de planification est fortement limitée, et on va se rendre compte assez rapidement que, pour répondre aux enjeux de la crise, mieux vaut déplacer l'activité économique du côté de la société des agents, donc du côté de la société civile, que du côté de l'État, parce que l'État apparaît comme une structure bureaucratique lourde et peu productive. Donc c'est ce qui explique, au fond, la remontée du discours néolibéral en Angleterre d'abord, puis avec Thatcher, puis avec Reagan par la suite, et petit à petit, tous les pays vont devoir s'y adapter, parce que je vous rappelle que François Mitterrand, en France, en 81, a été élu sur un programme socialiste. En 83, il a pris ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, et il s'est adapté à son tour au modèle néolibéral, qui était un modèle qui correspondait mieux à l'esprit de l'époque et à la crise à ce moment-là. Donc, à partir des années 70-80, il y a toute une série d'indicateurs qui se mettent en place et qui vont effectivement déclasser l'État. Il y a d'abord la financiarisation de l'économie, sur laquelle les États vont avoir de moins en moins de contrôle, sur le cours d'échange, sur les monnaies, etc. Et ensuite, le phénomène de la globalisation et de la mise en place donc, d'une économie de plus en plus interconnectée, dans laquelle l'État perd là encore une partie de son pouvoir. Il y a l'émergence de l'individualisation, qu'on voit notamment à travers un phénomène intéressant, c'est la production et la consommation. Les modes de production et les modes de consommation, à partir des années 80, sont totalement modifiés. On était dans l'ancien modèle tayloriste, fordiste, de la production de masse, etc. On va passer au modèle toyotiste, modèle japonais, qui est un modèle complètement décentré, où on s'intéresse plus à produire des objets très précis, très spécifiques, qui correspondent à des goûts particuliers. Donc les consommateurs, d'une certaine manière, sortent d'une logique où on leur imposait des produits qui étaient déjà tout préparés, tout faits, et qui ne se distinguaient pas les uns des autres, pour un autre type de marché dans lequel on va prendre en compte de plus en plus leurs besoins, ce qui va contribuer aussi à l'individualisation des individus. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que la relation entre le politique et l'économique change drastiquement à partir des années 70, et qu'il y a une autonomisation de l'économique par rapport aux politiques. Est-ce que ça veut dire, je reviens à votre deuxième question, que l'irresponsabilité du politique égale la servilité du politique par rapport au marché? Vous preniez des passages que je citais en disant que, au fond, l'État avait un rôle arbitral, mais il ne se faisait pas nécessairement dicter la loi. On voit bien que quand les enjeux sont importants, il arrive aux politiques de prendre des décisions assez drastiques à l'égard de certains grands joueurs du monde économique. Je pense par exemple, dans les derniers mois, à la Commission européenne qui a décidé d'imposer des taxes aux GAFA, Google, Amazon, etc. Donc le politique a quand même son mot à dire par rapport à l'économique, mais c'est sûr que la domination du politique par rapport à l'économique n'est plus du tout d'actualité comme c'était le cas avant 70. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est nécessairement le marché qui dicte sa loi. Et je prendrai un cas quand même assez paradoxal, parce que c'est un drôle de cas, puisque c'est un homme qui vient du monde de l'entreprise et qui s'est présenté comme voulant libéraliser encore plus le modèle capitaliste néolibéral, c'est Donald Trump. Donald Trump, malgré tout, utilise la puissance de l'État pour un certain nombre de considérations qui l'intéressent à l'égard de développements économiques qui ne vont pas dans le sens qui est le sien. Donc ça ne veut pas dire que le politique est complètement désarmé par rapport à l'économique. Simplement, il faudrait utiliser la puissance publique à bon escient.
Donc, et dans le régime de l'autonomie, rien ne nous interdit de redonner aux politiques une certaine prédominance par rapport à l'économique. Votre troisième question portait sur la société du savoir, réflexivité, autoréflexivité. En fait, là-dessus, la critique de Gaucher consiste à dire qu'on est effectivement dans une société du savoir parce qu'on n'a jamais produit autant de connaissances, dans tous les domaines d'ailleurs. Et on multiplie le nombre de doctorants sur la Terre entière. Je veux dire, on n'a jamais eu de gens aussi qualifiés, mais en même temps dans des domaines d'expertise de plus en plus étroits. Ce qui veut dire que cette société du savoir, c'est d'abord une société de l'expertise, de la multiplication des experts, mais qui n'interviennent que sur des champs de compétences extrêmement restreints. Et donc ils perdent de vue la vision globale de ce qu'est une société et comment fonctionne une société. D'une certaine manière, leur réflexion n'est pas intégrée nécessairement à l'intérieur d'une pensée de nature politique, de nature historique. Ils ne s'interrogent pas sur pourquoi, au fond, aujourd'hui, agit-on selon les principes du néolibéralisme et pouvons-nous penser à un autre type de société à l'avenir ? C'est la réflexion, j'en viens à votre dernière question, de Marcel Gaucher. Alors, il faut bien comprendre que Marcel Gaucher se présente toujours comme un acteur parmi d'autres à l'intérieur du débat démocratique et se refuse à jouer le rôle du prophète en son pays ou en d'autres pays. Ce qui veut dire que, en se présentant comme un acteur parmi d'autres de la réflexion politique, l'idée de Gaucher, c'est d'indiquer ou de donner les cartes du jeu aux acteurs démocratiques en disant « c'est à vous de jouer ». Moi, je vous explique où nous en sommes rendus, pourquoi ça ne fonctionne pas, mais je ne peux pas vous dire comment ça fonctionnerait mieux. C'est à vous de travailler sur la situation qui est la vôtre. Et de toute façon, les problématiques ne sont pas les mêmes d'un régime démocratique à un autre. Il n'y a pas de solution miracle à la crise des démocraties. Hein. Les problèmes que rencontre la société démocratique brésilienne n'ont rien à voir pour une partie d'entre eux avec ceux que connaissent les sociétés européennes ou les sociétés nord-américaines. Les problématiques ne sont pas les mêmes, mais l'idée de Gaucher, c'est qu'il est temps de redonner, au fond, aux acteurs, à la société des individus, la volonté et le souci de modifier les choses, parce que je peux leur indiquer que si l'on continue comme ça, la seconde crise de croissance de la démocratie risque de nous amener bien loin. C'est un peu le sens de la réponse que me permet de donner à la place de Gaucher. Merci beaucoup, professeur. Et je voudrais savoir sur sa exposition. Vous avez dit sur la hypertrophie du droit. Et je voudrais savoir votre opinion sur le rôle du judiciaire dans cette réalité actuelle et aussi dans vos dernières observations ici. Comment est-ce que le judiciaire pourrait jouer un rôle à propos de cela? Et aussi, comme vous voyez, l'activité souveraine dans cette l'activité souveraine la souveraineté dans cette hypertrophie du droit la force du pouvoir. Je voudrais écouter un peu vous écouter un peu sur ça. Et aussi vous terminez l'exposition avec la question du choix, non, qui fait une liaison avec le début de votre exposition. Et je me demande sur les mystères de cette démocratie, si peut-être nous devrions pas peut-être faire un choix aussi pas totalement conscient, mais mystérieux aussi. Je voudrais savoir. Merci. Então, a primeira questão é sobre
O papel do judiciário, antes dessa hipertrofia do direito, gostaria de saber do professor em relação a essa questão, como ele vê o papel do judiciário dentre as propostas que o professor faz ao fim também, e também a respeito da atividade do papel da soberania, né, sobretudo enquanto poder de força desse Estado que hoje está completamente englobado pelo polo do governo, a meu ver. E a segunda questão é em relação a essa escolha que o professor faz no fim, o professor indica no final. Sente o mistério da democracia, nós não estaríamos então diante, talvez, da necessidade de fazer uma escolha, uma nova escolha misteriosa, como diz Gaucher, bastante criticado por Paul Valadier, não, professor? Se não estaremos aí diante da necessidade de fazer uma escolha, talvez não completamente consciente. Muito obrigado. Alors, au fond, et Eduardo connaît très bien cette question parce qu'il l'a travaillé dans sa thèse, au fond, donc, l'état de droit se manifeste au départ comme le droit étant vu comme une émanation du politique, une émanation de la souveraineté de l'État. C'est notamment très clair chez des gens comme Bodin et Hobbes au début de la modernité. Ce qu'on voit petit à petit avec la mise en place de la société des individus et puis la reconnaissance de la valeur de la société civile, c'est que ce droit qui était d'abord et avant tout produit par l'État, je ne dis pas qu'il ne le produit plus, hein, mais qui était produit par l'État au nom de raisons qui appartenaient à l'État d'abord et avant tout, est de plus en plus produit par la société des individus qui vient faire sanctionner par l'État des revendications d'ordre individuel ou collectif, de par exemple protection du droit des minorités et ce genre de choses, avec cette idée qu'on est dans des sociétés un peu à caractère victimaire, où chacun essaye de faire reconnaître au fond ce qu'il semble être pour lui ou un handicap ou une difficulté ou... Et donc c'est ça qui conduit à ce que Gaucher appelle une hypertrophie du droit, c'est-à-dire le droit est complètement utilisé pour l'expression, pour des expressions qui sont de nature individuelle et collective, mais plus du tout pour l'expression d'une volonté qui serait une volonté supra individuelle ou supra collective, un peu comme c'était le cas à l'intérieur de l'État-nation, qui prenait en charge la collectivité et qui la projetait dans le futur. En en restant à une conception du droit où le droit n'est que, au fond, revendiqué par des individus et des groupes, et ensuite légalisé par l'État, l'État n'a plus du tout ce rôle de production du social et ce rôle d'assumer cette production du social en rapport avec l'histoire. Donc on est dans deux ordres complètement différents d'utilisation du droit. C'est ça ce que je voulais dire. Pour venir à ta deuxième question, s'agit-il d'un véritable choix ? La différence par rapport à... J'avais parlé de choix tout à l'heure quand on parlait des sociétés primitives. Ont-elles fait le choix ou pas de se penser comme société contre l'État ? Évidemment que ce choix n'est pas conscient. Ce ne sont pas le groupe ne s'est pas réuni un soir autour du feu et s'est dit « Ah ben tiens, finalement, on devrait refuser l'État parce que ça va conduire à la division sociale et à l'inégalité, et c'est l'égalité entre nous, c'est bien mieux, donc restons comme nous sommes. » Non, c'est comme s'il y avait une perception intuitive que avec une religion qui placerait des individus en supériorité les uns avec les autres, on allait vers une situation où on produirait de l'inégalité, ils ont, entre guillemets, choisi. Par contre, notre situation à nous actuelle, elle est complètement différente. Parce que nous sommes véritablement sortis du régime de l'hétéronomie. Donc nous savons ce que c'est que le politique, nous savons ce que c'est que le juridique, et nous savons ce que c'est que l'historique. Donc d'une certaine manière, nous avons les moyens de transformer nos sociétés pour aller vers une plus grande possession de nous-mêmes. Ça, c'est en théorie, hein, par rapport aux anciens. Donc
Nous sommes, comme on disait un peu, comme disaient les médiévaux par rapport aux Grecs, hein, nous sommes assis sur les épaules de géants, mais donc, étant assis sur les épaules du géant, on voit plus loin. Nous aussi, on est assis sur les épaules des modernes, mais on voit plus loin qu'eux parce que on est sorti du régime de l'hétéronomie. Mais on voit plus loin qu'eux, mais quand même, le paysage en face est relativement gris et le soleil ne perce pas, ce qui fait que il y a ce sentiment un petit peu de désemparement, parce que même si on utilisait à plein et en essayant de faire en sorte que l'un n'empiète pas sur l'autre, il nous reste quand même à essayer de définir collectivement ce que l'on veut et à être en même temps cohérent par rapport à ce que l'on veut. Je m'amusais un petit peu avec Eduardo plutôt en lui rappelant que, à titre de vice-recteur à la recherche, dans une université qui souhaite être carboneutre en 2050, il est tout à fait anormal que j'ai pris l'avion pour venir à la soutenance de sa thèse et pour présenter ma conférence ce soir. Donc quand je dis qu'il faut savoir véritablement ce qu'on veut, ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau individuel et au niveau collectif, il va falloir qu'on soit à la hauteur des principes qu'on veut se donner. Merci beaucoup pour la présentation. Moi aussi, je voudrais poser une petite question à propos de l'histoire. C'est les politiques, les juridiques et l'histoire qui comptent pour Marcel Gaucher. Et bien, on sait maintenant que l'histoire pour les pays islamiques, elle est très importante, elle joue un rôle très considérable, car ils sont tellement attachés au passé, et en même temps, ils projettent une figure qui, je dirais que c'est une figure messianique pour se sauver. Et en même temps, en regardant l'histoire en Europe, ici au Brésil, aux États-Unis, je constate que personne n'a beaucoup de liaisons avec l'histoire, avec le passé. On a surtout une liaison avec les temps présents, les temps présents où nous sommes en train de profiter de toutes les nouveautés, nous sommes en train de chercher une condition qui c'est la meilleure condition pour les profits individuels, surtout. Bien, alors, une troisième constatation au niveau de l'histoire, je pense aussi, par exemple, maintenant, avec les rapports commerciaux entre les États-Unis et la Chine, il y a toujours une référence, par exemple, dans le sens, à mon avis, des États-Unis, comme nous sommes la puissance la plus forte. Et nous voudrons rester comme tel. Alors, il y a un référent historique très court, mais il est bien fort. C'est-à-dire que pour le futur, les États-Unis, ils veulent garder ça. Hein. Et en fait, c'est ça la question. Quel est le rôle qui joue l'histoire dans ce contexte? Donc, ma question est no sentido de savoir quel est le significado, quelle est l'importance de l'histoire. Et aí, eu fiz uma pequena referência à un lado, os países islâmicos têm uma ligação muito forte com a história do religiosa do seu passado e projetam uma redenção messiânica, né? E à luz dessa redenção messiânica,
ações políticas e econômicas são desenvolvidas. Por outro lado, os europeus, nós brasileiros, americanos, né, nós estamos muito... A gente está pouco ligado à história, nós estamos ligados ao presente. Queremos usufruir cada vez mais e de uma forma mais intensa esse presente. E esse presente é o presente que nós encontramos, bom, isso eu até nem falei, mas encontramos na possibilidade de nos satisfazermos, né, com bens e atividades, viagens, por exemplo. E, em terceiro lugar, fiz um pequeno registro sobre os Estados Unidos, que agora na guerra comercial com a China reivindicam à luz também de um passado histórico recente, tá? mas à luz desse passado, a hegemonia, manter essa hegemonia. E, enfim, então, qual é a importância dessas referências históricas nesse contexto da democratização? Alors, ça fait trois questions en une. Pour les communautés musulmanes, effectivement, elles sont, pour une partie d'entre elles, au moins, encore soumises à ce qu'on appelle le régime de l'hétéronomie, où donc le pouvoir vient d'ailleurs, et effectivement, elles s'ancrent dans une confiance à l'égard de leur passé, autour de la notion d'umma, de la communauté, et dans une projection vers l'avenir qui parfois malheureusement prend la forme du djihadisme, c'est-à-dire cette volonté d'imposer le monothéisme islamique à la terre entière. Donc effectivement, le règne de l'histoire est extrêmement fort dans ce récit-là, et c'est peut-être aussi ce qui explique que la confrontation entre les régimes de l'autonomie qui sont les nôtres et ce régime de l'hétéronomie est une confrontation extrêmement brutale. Parce que les manières de se comporter par rapport à l'historique, au juridique et au politique sont totalement différentes. Pour en venir au deuxième aspect, oui, il est vrai que la démocratie néolibérale a fortement encouragé le culte du présent en renvoyant les individus vers leur sphère spirituelle. Vers leur sphère privée, comme tu le disais à juste titre, et en réduisant au fond les catégories du passé et de l'avenir, souvent à des catégories d'ordre personnel et non plus d'ordre collectif. Ceci étant, on voit quand même poindre de plus en plus une réflexion qui s'affranchit un petit peu de la considération du seul présent, parce que on commence à prendre conscience collectivement qu'il y a certains enjeux qui concernent le devenir, et en particulier au niveau environnemental, qui vont nous rattraper non pas dans 3 siècles, 5 siècles, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc qui auront un impact sur notre sphère privée et en particulier sur les enfants que nous avons mis au monde. Donc il y a déjà actuellement, on sent un travail de l'esprit collectif qui se fait en régime démocratique par rapport à cette tension vis-à-vis de l'avenir qui apparaît de plus en plus menaçant, alors que on se satisfaisait il y a encore une dizaine d'années des joies et des plaisirs du présent. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en jeu, et on le voit aussi par rapport au passé. Il y a une volonté de plus en plus d'essayer de réinscrire du sens à l'intérieur de nos vies individuelles en les rattachant à un certain passé. Certains passés nationaux. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la tectonique des plaques historiques. Mais j'aime bien, dans la fin de ton intervention, les deux exemples que tu donnes, parce que s'il y a bien un État occidental qui, lui, n'est pas sorti du grand discours historique, ce sont les États-Unis. Les États-Unis continuent à penser qu'ils ont une vocation providentialiste en termes d'expansion du modèle démocratique, et donc eux continuent à se penser dans une perspective historique. Et l'autre exemple que tu prends, c'est la Chine. Et la Chine, c'est la même chose. Au nom d'une continuité historique d'un peuple bien particulier, donc on n'est pas dans la société des individus, là, on est vraiment dans la volonté collective, la Chine ne rentre pas. Civilisation. Civilisation, effectivement. La Chine ne rentre pas
mais alors pas du tout dans le modèle de dénégation de l'histoire qui est un peu celui des pays démocratiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas gagnée à son tour par la logique individualiste via la consommation de masse. D'accord ? Mais la, le modèle chinois, et en particulier le modèle politique de la Chine tel qu'il fonctionne, fait en sorte que la dimension historique est tout aussi présente hein, dans ce modèle-là qu'elle peut l'être, par exemple, aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours distinguer les expériences démocratiques, parce que l'expérience du Brésil n'est pas celle des États-Unis, et l'expérience des États-Unis n'est pas celle de la France. Ce sont à chaque fois des régimes démocratiques qui, certes, peuvent être confrontés à des dynamiques qui sont un peu semblables, mais les réponses qu'ils vont apporter leur appartiendront. Mais alguma questão? Sem português também. Bom. Ali, Leandro. Hã? Fala devagar em português que vai, vai dar certo. Quand Marcel Gauchet dit que les sociétés démocratiques n'ont plus d'adversaire, il pense à un adversaire idéologique ou un système idéologique puissant, comme était par exemple le socialisme, qui mobilisait tout un imaginaire autour d'une classe particulière qui était la classe ouvrière, avec l'idée qu'il y avait un moment particulier où cette classe allait prendre le pouvoir, qu'on irait vers une société sans classe, etc. Aujourd'hui, on ne voit aucun modèle alternatif structuré qui puisse s'opposer au modèle démocratique. On voit des démocraties qui fonctionnent mal, des démocraties qui fonctionnent plus mal que d'autres, mais malgré tout, je ne pense pas que l'on voudrait revenir vers d'autres types d'aventures politiques que l'on a essayées ailleurs et dont on a vu qu'elles n'étaient pas nécessairement les plus agréables pour les individus qui vivaient en leur sein. Bem, então, muito obrigado. Je vous remercie beaucoup. Obrigado a você. Dessa forma, também nós vamos encerrar o nosso evento. E eu gostaria de fazer pequenos registros aqui, assim, muito importante. A tradução desse texto né, foi feita pela Poliana e o Odair. Muito obrigado. Tá? Muito, nós agradecemos. Gostaria também de registrar um agradecimento especial ao Cairo, Kelvin e a Ellen, que durante praticamente 3 turnos sempre estiveram lá na frente, na recepção. Não sei se mais alguém, dos, além dos 3, trabalhou. A Bianca. Diego. Uhum. E o Samuel. Muito bem, então, muito obrigado também. E lembrar também aqueles... que colaboraram né, com a organização das mesas, na mediação. Eu anotei o Jaice, mas quem sabe mesmo dos nomes é a Poliana, mas vamos lá, a Poliana me ajuda. Jaice, Joel, Pércio, Leandro, Odair, o Jaice. Então, Joel já foi. A Vivian. A Michelle, é verdade, a Michelle. Então, são todas pessoas que, muito queridas, como todos vocês também, mas em especial elas nos ajudaram a tornar esse evento possível dessa maneira. Né? E eu também lembro agora em especial do Diego e o seu colega, que eu não me recordo o nome, que estão ali atrás, a gente não enxerga, né, eles estão... Samuel,
que estão cuidando da parte técnica. É muito importante esse apoio. Diego, muito obrigado. Samuel também, muito obrigado, hein? Tá. Poliana, gostaria de lembrar mais alguém ou alguma situação? Tá, estamos cansados. E assim, ao concluir também, eu gostaria de entregar um pequeno presente para o professor Sebastião. É uma publicação organizada por mim, um texto que apresenta a participação de colegas, professores, pesquisadores aqui da região do Sul e também do Brasil em torno do filósofo que eu trabalho há muito tempo, que é o Hegel. Então, dessa forma, eu gostaria de encerrar, agradecer o seu aceite, né, para vir aqui e, ao mesmo tempo, fazer um registro para que a gente se encontre, seja fisicamente ou virtualmente, hoje estamos utilizando muito o recurso virtual, em outras ocasiões, para discutir questões filosóficas e acadêmicas. Muito obrigado a todos, uma grande salva de palmas ao Sebastião e até o próximo ano, no próximo colóquio de filosofia.